Ce soir, le cinéaste Mohamed Bouamari revient à Lyon à l'occasion d'une projection. Je vais rencontrer un homme qui a marqué l'histoire du cinéma algérien et qui a aussi grandi à Lyon, dans le quartier de la place du Pont dans les années 50. Le Charbonnier, tourné en Algérie en 1972, est son premier long métrage. Ce film, symbole d'un renouveau du cinéma algérien, a connu une carrière internationale. C'est vrai que moi, je dois beaucoup à Lyon, la ville de Lyon, parce que je suis arrivé à Lyon très jeune, très jeune, j'avais 8 ans. Et puis que j'ai eu les premières images de ma vie, je les ai vues dans cette salle en particulier. Et qu'après multiples péripéties de la vie en France, je me suis retrouvé en Algérie à partir de 1965 réellement, et que j'avais deux choses en moi. C'était retrouver les images de mon enfance dans les hauts plateaux de Sétif, à côté de Sétif, et comment ma mère, comment mon père, vivait en tant que paysan sans terre. Et, si vous voulez, toute la sensibilité ou tout le désir que m'a créé, si vous voulez, l'école à Lyon, mes pérégrinations dans d'autres villes de France, c'est-à-dire où j'avais appris qu'il fallait être utile, il fallait se réaliser. Et que le cinéma n'était pas simplement un langage, pas simplement un art, mais qu'il pouvait être aussi un arme de combat. Un arme de combat contre quoi, contre qui? Contre, pour moi, ce que je n'admettais pas dans la société en formation algérienne, c'est, si vous voulez, les injustices, c'est-à-dire la société algérienne n'était pas juste par rapport, par exemple, à la femme, par rapport à la sensibilité, par rapport à la liberté, par rapport à l'expression individuelle, etc. تضحكوا المرأة مديورة للدار باش تقابل ولادها وتقابل راجلها فهمتوا والمعامل اللي رمي تبنوها في القطر الجزائري مصانع مدرسات مستشفيات لمن هذوك Le lendemain matin, j'accompagne Bouamari dans le quartier. J'y ai quelques repères, mais j'imagine que nos pas vont suivre le mouvement de ses souvenirs. Que va-t-il retrouver de cette place du pont des années 50, où vivaient ensemble tous ces gens venus d'horizons différents? وليدي احمد بعماري وليدي خدم بعماري كنا نلقاوه في 68 في ريبير كورنيل تو لا بلاس مونسي بكري مسالك حل الله يرحم مسالك حل لتحت في ريبوي اي وي مسالك حل مات كان صابا نتفاهم يا سيدي هاي هذه هي قبل تسكت الله يرحمه قال لي مازال تبقى في الحيه وليد محمد مات الله يرحمه قرا معايا قرينا مع بعض مع محمد محمد عبد الحميد عبد الحميد ها ترى نشوفوا دابا العجوز امبارح خبصوا عليه انا خبصوا عليه شباش الى ربعين ابو سي لا عندها ردي عندها اتعاد معها ردي بو سو ردي بو سو Madame Cascasse, bonjour. Bonjour.
votre mari, il était très gentil. Il était un peu le symbole des Sitifiens qui réussit. Tout le monde venait chez Kesquès. Oui, c'était qu'après qu'il était au bourg là. Il accueillait les gens. Voilà. C'est lui qui a commencé avec mon oncle d'ailleurs. Oui. Les deux premiers qui ont commencé ici dans le quartier. Vous parlez arabe, non? Elle comprend, vous comprenez. Oui, elle comprend. Quelques mots, mais je ne peux pas. Polonais, vous parlez encore polonais? Ah, oui. Voilà, polonais. Mais je n'ai pas de connaissances polonais, là. Ils sont tous partis. Oui. C'est les morts, ceux qui je connais. Ouais. Il y en avait, pourtant, il y en avait. Hein. Il y avait des juifs, quelques juifs. Voilà, c'est ça, des juifs polonais. Le fils, ils sont partis. Oui, c'est ça. C'était une époque, à Lyon, il y avait de tout. Il y avait des Polonais, des Espagnols, des Italiens, surtout des Arméniens, beaucoup d'Arméniens. Ah ben, les Arméniens, ils sont toujours là. Oui, oui, il y avait Bagdassourian, il y avait Badourian, le fils qui a remplacé, mais il était à l'école avec nous, avec Mohamed et moi. C'est-à-dire avec nous. Voilà. Ouais, ouais. Le café de mes parents était juste là, en face, là où il y a l'immeuble carré, là. C'était là. C'est ça la rue Pierre Cornet, c'était mis là. La rue Pierre Cornet. Tes parents aussi tenaient un café. Il y avait ton oncle et ton père qui tenaient. Voilà, c'est ça. Ouais. Ensemble ou chacun son café? Non, ensemble, ensemble. Ensemble. Ouais. Bois-Marie a quitté la place du Pont dans les années 60 pour aller questionner par le cinéma les transformations de la société algérienne. Le charbonnier, c'est l'histoire de Belgacem, combattant de la guerre d'indépendance, qui vend son charbon de bois au marché. L'apparition du gaz dans les campagnes l'enfonce dans la misère. Il le pousse à tenter sa chance en ville. Là, il est rejeté par ses compagnons de lutte. Tout a changé. Tout change aussi à son retour chez lui. Sa femme veut travailler dans l'usine qui vient d'ouvrir. Alors, dites-moi ce que vous a plu, ce que vous a pas plu, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas... Moi, j'ai aimé la femme algérienne, la femme arabe. Ouais. Elle était libre. Oui. Elle montre la femme libre en Algérie. Oui, tout à fait. Quand son mari l'a... Elle a donné... Quand elle a eu marre de se faire... Elle a révolté. Elle s'est révoltée. Elle n'a pas laissé faire. Elle s'est pas laissé faire, exactement. Voilà, et depuis longtemps, la femme... Elle a dit, je sors et je travaille pour mes enfants. Voilà, la femme algérienne... Absolument. Et puis la femme algérienne, aujourd'hui si l'Algérie s'en sort, c'est grâce à la femme algérienne. Grâce à la femme algérienne. C'est grâce à la lutte de la femme algérienne. Oui, ça c'est sûr et certain. Par contre, le maghrébin reste le même. Quand il est fatigué, il s'en prend à sa femme. Exact. Moi, je remarquais, où il y avait le film, la femme, ils ont montré Alger, la femme, elle était plus libre que maintenant. Absolument. Bravo. Mais par contre... Oui, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Les meilleures années des 70. Les meilleures années des 70, oui, absolument. C'est les meilleures années. Voilà, c'est exact, c'est vrai. En Algérie, on a moins de robes, le kazakh tout en noir qu'ici en France. Oui. Les femmes tout en noir, en Algérie, on n'en a pas. On n'en a pas. Là, en France. Et en Algérie, elles portent le foulard, les femmes mariées, elles ont le voile à la tête, mais il n'y en a pas de noir avec tout le visage caché. Non, ça n'existe pas chez nous. Ni les gants, ni les collants. C'est ça. C'est l'Afghanistan, c'est l'Iran, c'est... Surtout l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan, mais pas l'Algérie. Mais là, les Algériennes, c'est ce qu'elles font maintenant. Oui, parce que c'est autre chose. Les Algériennes, elles sont comme ça. Normalement, non. C'est le haram. C'est l'islam. Le vrai islam n'a jamais dit la femme doit être celui-là. Ce sont les hommes. Les hommes. Ces intégristes, ils ont tout travesti. Ils ont travesti tout. Après avoir rencontré les mères des élèves de l'école Pain-Levé, Bois-Marie poursuit la recherche des lieux de son enfance. N'ayant rien retrouvé du café de son oncle, sinon une place publique toute neuve et quelques jeux d'enfants, il poursuit pour voir ce qu'il reste de la vaste maison en bois, surnommée l'entrepôt, là où il habitait avec d'autres familles. C'était ça. C'était, vous voyez, alors il y avait le truc là, la poste,
la seule passe là, et puis tout ça c'était un immeuble, vieil immeuble et tout. Alors là c'était la cour des miracles, il y avait juste au bout là, il y avait l'épicerie de, allez-y monsieur, allez-y, l'épicerie de monsieur Bagdassourian, un arménien. À l'intérieur il y avait des arméniens, des juifs, des espagnols, des italiens, des certains français, il y avait un curé, il y avait un champion d'Europe de boxe. Il y avait un champion de France de boxe. Allez-y, allez-y. Et qu'est-ce qui se passe? On tourne. Ah, vous tournez pourquoi? Ah, voilà, nous parlons de Pain Levé, le grand Pain Levé. Vous savez qui c'est, historiquement? Pas du tout. Ah, ça a été un grand héros pendant la Résistance. On fait un film sur la Résistance. Ah, ben ça, c'est très bien. Ça, c'est contre eux. Bonjour madame. C'est là. Vous voulez rentrer? Non, on voulait juste savoir ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui s'était passé, oui. Ici? Oui. Bah, ici, on parle un peu de l'historique de cette place. Il y a longtemps que vous habitez ici, vous êtes jeune. Ça fait 4... On est arrivé en fin octobre 97. Ah d'accord. Okay. Fin octobre 97. Vous aimez le quartier? Oui, bon, oui, oui, c'est certaines choses. Enfin, c'est en pleine évolution aussi. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. C'est bien. Donc, ça a changé. Et là, il y avait un terrain vague ici, là où ils ont construit. Ils sont en train de faire beaucoup de choses pour améliorer. Oui, c'est pas mal. Améliorer, avant d'aller, il y avait cet endroit où les gens se retrouvaient, et là, et devant le Monoprix. Je passe des points. Le quartier, petit à petit, il est en train de changer et reprendre un autre visage. Oui, c'est vrai, vous êtes en train de rénover. Voilà, mais on est en train de mettre beaucoup d'argent pour que, à la fois l'habitat, oui, qui était un petit peu insalubre, soit rénové et réhabilité, que les gens retrouvent un confort. Ça, c'est très bien. Et puis aussi que les voiries retrouvent aussi une certaine dignité, une certaine sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce quartier, c'est une mauvaise image. Oui, bien sûr. Et ce quartier, il mérite quand même d'avoir une image autre. Donc je suis d'accord avec vous. On travaille dans ce sens-là. Vous êtes élu. Oui, sur le troisième, oui. Ah oui, sur le troisième, d'accord. Et j'ai en charge la sécurité et la tranquillité publique. Donc, vous voyez, j'y suis relativement souvent. J'ai vu que vous étiez très lucide parce que vous nous avez pêché, là. C'est bien, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Je suis là deux, trois fois par semaine, moi. C'est bien. Pour voir comment ça évolue, comment ça bouge. Mais la place, là, vous l'avez un peu changée, la place Moncé? Alors, la place. Vous avez démoli aussi. Il y avait le bâtiment qui était sur la rue Saint-Jacques qui était démoli parce que totalement insalubre et on ne pouvait pas le réhabiliter. C'est trop vieux. Et puis, il a été décidé en coordination et en collaboration avec les gens du quartier qu'il y aurait un espace public parce qu'il n'y avait pas d'espace public à la fois pour les mamans, les enfants, c'est vrai, etc. C'est vrai. Maintenant, c'est plus grand, c'est plus aéré. Vous avez pu voir que c'est une place qui fonctionne en trois parties. Hein, il y a la partie des mamans et des enfants, les jeux pour enfants, un mur pour séparer les mamans des hommes, il faut que ça soit visible, on va dire. Et puis il y a le terrain de sport pour les ados, jouer au ballon. J'ai observé. Je crois qu'aujourd'hui, avec la concertation, on est arrivé à trouver quelque chose qui va nous permettre de faire revivre. C'est un quartier qui est charmant, qui est agréable. C'est vrai, mais c'est lui Lyon un peu, ça fait partie de Lyon. Près du Lyon, entre le vieux Lyon et le nouveau. Je pense qu'il faut arrêter de qualifier ce quartier de maghrébin. Oui, alors que non. Alors vous que le ghetto. Le ghetto. Si vous avez arrive, raison. Voilà, si, on le ghetto, arrive, si on arrive petit à petit à mixer les populations, même avec les étudiants, on en fait un quartier latin. Par exemple, nous, il y a. Dans les années 50, dans les années 60, il n'y avait pas de mixage à 60. Ouais. Il y avait beaucoup de gens de Sétif. Dis donc. C'est dommage parce que cette place est belle en plus. Elle est belle, ils l'ont un peu agrandie puisqu'ils ont démoli là. Tu vois? Mais voilà. Il est beau le pur. Hein. Salut, bonjour. Salam alaykoum, Abba. Salam. Salam alaykoum. Abu Ammar, yaro alak. Quel arbre? C'est un sort d'arafni, il y a un arbre de Kadoum. Voilà, c'est un arbre de Kadoum. Mohamed, c'est un arbre de Kadoum.
لاباس انت شنو هذا خير لاباس هاي كي عرفتي شكون سلام الله يبارك فيك هاني نقول لك شكون اللي في شعبي شعبي ça fait combien plus de 40 ans plus de 40 ans plus de 40 ans que je t'ai pas vu plus de 40 ans je l'ai pas vu mais tu as la même voix que ton frère l'air ou ton père tu habites toujours là non moi j'ai maintenant j'habite à Vinicius ah Vinicius c'est bien Vinicius ouais mais j'habite Charrière moi j'habite pas Vinicius les, les Minguettes ah ouais on habitait là là où c'est marqué Badurion là bon ouais oui derrière bon, les traboules là donc les traboules je l'ai vu Armand tout à l'heure t'as pas reconnu si 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 il m'a reconnu on s'est embrassé et tout ah, ben mais parce que moi je l'ai pas reconnu une fois là, il y a quelques années dit Lena il y avait à l'école on m'avait invité pour parce que l'association de Palvé, ils ont eu Palvé Loisirs. Palvé Loisirs. Voilà, ils ont eu le prix. Voilà, voilà. Ils ont eu le prix. Ils m'avaient invité, j'étais de passage. Et c'est lui qui m'a reconnu. Il était dans le coup, lui, dans l'association. Donc, je savais pas comment je serais venu. Ben oui, oui. C'est moi, je suis le président du lieu de culte. Ah bon hein ah ouais, c'est rue Paul Bert. Rue Bonnefoy, non rue Paul Bert. Rue Paul Bert, là. Au 19. Au 19. Alors, tu viens demain sûr, hein Inch'Allah, la quête au barbe. La quête au barbe. Non, non, je viens demain. Non, non, je viens comme ça, allez, à demain. ان شاء الله تصلي زيد رجع تطلب لنا الخير ها ايوا ما تخممش ما تخممش عليا خلي كي يجي لي حزر نتفاهم معايا ما تخممش السلام عليكم نتلقاو على خير غدوه ان شاء الله ها شعبي ما تنساش ان شاء الله Ben ici, tu vois, la place du pont, les Algériens, on l'a appelé la place debout. La place debout, pourquoi? Parce que les gens sont toujours debout. C'est dommage qu'ils ont mis cette perruque, tu vois, ça là, ça, ce truc-là. Le clip, c'est ça. Vous l'appelez le clip? Moi, j'appelle le mur, ça. C'est un cache-fait. Ben, c'est un voile. C'est un voile, on a voilé le quartier, comme si on en avait honte. C'est dommage. Enfin. Allez, on y va ? Allez, viens, traverse par la porte. Pour en savoir plus sur l'aménagement de la nouvelle place publique, nous allons voir les responsables de l'association des habitants qui, depuis des années, luttent pour préserver l'histoire et l'identité du quartier. Voilà. Salut. Enchanté. Salut Jean-Louis. Salut, tu vas bien? C'était jeudi. On avait rencontré avec Badourian, il était, je crois. Ouais. Au début. L'adjoint à la sécurité, à la tranquillité publique. C'est ça le terme qu'il avait dit. Avec des lunettes, genre jeune cadre dynamique. Il m'a dit on a tout fait bien les choses, parce qu'on a même mis un mur pour séparer les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et là, ça m'a un peu... Au début, tu as dit qu'elle fonctionne en trois dimensions, la place. Ah oui, il y avait la partie. Quel espace pour les mamans, les pères et les ados. Ça, ça n'a pas du tout été fait dans cet esprit-là. Mais c'est, ce qui est intéressant, c'est comment lui, il le récupère. Quoi, c'est tu vois. Je vais dire, dans son discours. Oui, il voulait croire me faire plaisir parce que je m'appelle Mohamed. Mais j'ai rien à foutre de ce mahométisme. Ça veut dire, lui, il me dit ça pour faire croire qu'il respecte. Et le ouais. Mais je suis contre le communautarisme, moi. Je suis un homme, point. C'est tout. Et lui, pour lui, le mur, c'est pour dire, voilà, comme chez vous, les femmes d'un côté. Il n'a pas dit ça comme ça. Mais dans sa tête, c'était ça, tu vois. Il a bien suggéré. C'était ça, oui. Et il avait dit que c'était en concertation avec les habitants, que tout avait été fait. Ça intéressait. Le fonctionnement de la place, en fait, il s'est imaginé à partir, nous on a dit, à partir de 98, on a dit, si on réaménage l'espace public, il faut d'abord faire des études d'usage, c'est-à-dire... que des sociologues analysent comment fonctionne ce quartier, comment les gens occupent les espaces publics. Et il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite. Et les architectes qui ont fait des propositions pour cette place, ils ont essayé de répondre au cahier des charges. Donc c'est pour ça que c'est un peu... il dit on a fait un mur pour séparer les hommes et les femmes. Le mur, il n'a pas été fait pour ça. C'était plus pour protéger le lieu des enfants d'un lieu plus, plus, plus,
Parce qu'il n'y avait pas de grille au départ. Des petits-enfants, oui, il n'y avait pas de grille prévue. Il n'y avait pas de grille prévue. Oui, non, mais ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal fait, honnêtement, ce n'est pas mal fait. Non, ce n'est pas. Simplement, j'ai observé la place. Je suis passé. Dieu sait, je la connais, cette place. À l'âge de 8 ans, je jouais au ballon. Donc, j'ai été élevé là, dans cette école et tout. Le problème, c'est que c'est tout. On est dans la sécurité. On a une vision sécuritaire de l'espace. C'est ça que je reproche. Mais sécuritaire pour que les enfants se fassent pas mal. Donc, il faut qu'il y ait un sol particulier. Il faut pas, il faut qu'il y ait des barrières pour éviter que ceci. Donc, on est coincé dans des normes. Parce que sur la mobilisation, qui c'est qui s'est mobilisé essentiellement? Ce sont les femmes. Oui, c'est vrai. C'est les femmes qui sont venues. Oui. Et c'est vrai Donner leur avis aux architectes. Parce qu'elles ont été très, très présentes. Et c'est vrai que nous, on a eu envie aussi qu'elles nous disaient qu'elles ne voulaient pas, par exemple. On n'a peut-être pas été assez vigilants là-dessus. Mais à un moment donné, il était question qu'on installe une halte garderie dans le clip. Et les femmes ont dit on n'ira jamais parce qu'il y a les hommes. C'est-à-dire qu'elles avaient vraiment dit il y a des parcours d'évitement et quelque part on a intégré qu'effectivement les femmes pour l'instant elles ne se mélangeaient pas aux hommes, mais on n'imaginait pas que ça serait récupéré. C'est la récupération, voilà. C'est pas autre chose. Ah oui. C'était à l'époque du prison. Je peux prendre, tu n'as pas le double? Non, c'est Jean-Louis. On te l'enverra. Tu peux m'envoyer, tiens. Voilà, c'est génial. Voilà, c'est ça la place de Port. Place debout. C'est pourquoi les Arabes l'appellent debout, parce qu'ils étaient toujours debout. C'est la place Gabriel Péri, normalement. Et eux, ils l'appellent la place debout. Place des ponts. La destruction du prisonnier. Aïe, aïe, aïe. T'as quelle tristesse. C'est un beau monument années 30. Hein. Ça, c'est la rue Moncey. La rue Moncey, c'est celle-là. Alors, si ça, c'est pas violent. Eh bien, écoute, tu ne peux pas être plus violente. La violence appelle la violence. Tiens. Et ça aussi, c'est violent. Ça, tu le connais. Pour empêcher les gens de marcher. Oui, oui, oui. Tu avais le prisonnier qui était là. Oui. Là, il y a une petite place, là. Oui, oui, c'est ça. Il y avait des WC. Oui, oui, oui. Puis un truc de. C'était pour empêcher les gens de marcher. C'était un peu en triangle, un peu le voilà, c'est ça. Ouais. Et bien, c'était pour empêcher les gens de stationner. Tu sais où c'est, ça? C'était complètement abandonné, tu sais. Les vieux ont laissé ça. Alors, ils ont muré. Puis les gens avaient laissé leurs affaires. On a pris des photos avant que ça soit, ça disparaisse définitivement. Le type, il était parti, tu vois. Il a laissé ses lunettes. Quand il est revenu, c'était muré. Tu te rends compte, il a laissé ses lunettes. Ouais. Son escafé. On a réussi à maintenir des choses, mais l'intérieur et on a l'impression que c'est. C'est vidé de sa substance, ouais. 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 Alors, tu es toujours à la Croix-Rousse? Non, mais je suis partie à la Croix-Rousse. Ah, ça, c'est fini, ouais. La Croix-Rousse. C'est fini, la Croix-Rousse. C'était à 4 ans. Salam alaikum. Salam alaikum. Bois-Marie, qu'as-tu retrouvé de ce vieux quartier de Lyon qui, dans ton souvenir, était un lieu où se mélangeaient les rires et les mots et où se tissait une histoire commune? Nous n'en saurons rien. Comme un vieux funambule qui tire sa révérence, tu termines le voyage sur une dernière pirouette et nous laisses à nos interrogations. Mais en suivant tes déambulations, nous avons découvert une géographie du lieu qui nous était inconnue. C'est la leçon du voyage. Il existe des murs célèbres, des murs tragiques, d'autres qui sont tombés. Et il y a aussi ces autres murs qui s'installent silencieusement au cœur de nos villes. Maintenant, Romani et tout ça, ils sont pauvres comme nous. C'est tout. Et alors, voilà. C'est quoi? Ils sont pauvres comme nous. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Tous, hein? Tous les mêmes. Nous sommes maîtres humains, tout le monde. Voilà. Ni c'est juifs, ni musulmans, ni... Tout le monde. N'importe qui. Voilà. Et maintenant, voilà, une question, la guerre. Voilà, c'est ça la question. C'est vrai. C'est pas personne ça, qui peut arrêter la guerre. Ça. Voilà, les forts, ils mangent les petits. C'est vrai. Voilà. Quelqu'un qui te demande un pain, tu vas l'écraser. Comme ça. C'est pas mal. C'est vrai. Non, 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 non. Merci. Je regrette, moi. Il faut très gâte. Exact. Et à la fin de la journée, il y a cet homme qui nous parle des Roms et des nouveaux migrants. Tous des pauvres, tous pareils. Bois-Marie sourit.
La place du pont serait-elle encore le seuil de la ville, le point de passage entre deux mondes,